Dans le moment que nous vivons, la pandémie coronavirus a, avec toute assurance, pour marquer l'histoire en pile monde. C'est la raison qui cause que nous passons une période qui est vraiment compliquée, qui la cause en pile gourmet pour que l'impact négatif soit capable de moins le plus possible. Avec tout problème de maladie à côté, le monde est pratiquement campé. Heureusement, la science pas campé. Il n'y a pas de pression, il y a travaillé plus que j'ai été qu'on fait là, il une façon pour être capable de jouer une solution pour combattre COVID-19 là. Sinon, toute nouvelle que nous tout qu'on attendait, côté que des milliers de monde qui mourent presque tout côté dans le monde là, eh bien, il y a là-dedans qui commence à bailler quelques espoirs concernant solution pour combattre maladie, tant que par exemple, découverte des possibles vaccins, anticorps, aller jusqu'à possible traitement définitif. Donc, dans la vidéo nous pour aujourd'hui, nous allons montrer les possibilités qui gagnent pour t'aider un traitement définitif contre le coronavirus là. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Sao Pat Konnen. Côté que nous avons tête comme objectif pour nous porter vidéo pour sous différents sujets, notamment des bagages que Pat Konnen que vous t'as supposé connaître. Pas oublier que si tu as toujours une vidéo nous et connaît plus bagages toujours, n'a pas invité pour capable abonner à la chaîne là. Pas oublier que chaque vidéo nous lague, si vous aimez, pas oublier like yo, partager et bien déjà nous disons merci pour le support. Comme on connaît déjà, la pandémie coronavirus a propagé rapidement dans tout le monde. Côté qu'elle a infecté plus que 3 millions de monde, retiré la vie plus que 300 000 déjà. C'est pour ça que toute institution chercheur dans le monde consacre chaque jour tête comme objectif pour capable joindre un remède pour maladie ça. Heureusement, depuis comme ce moment avril, la déjà gagné un pile progrès qui était fait, sorti dans production anticorps jusqu'à ce qu'il soit arrivé avec un futur vaccin pour maladie. La plupart d'anticorps, jusqu'à la minute, n'a pas parlé avec ou là, dans phase test sur moun. Mais, ça, vous devez connaître que jusqu'à présent, le résultat a porté un pile espoir et même si vous êtes prêt à 100%, mais n'a privé quand même dans ce stade-là. On parle de des vaccins qui sont en cours de développement. Yo. Vaccin, ça, qui côté développement a fait exactement? Dans le moment que vous parlé avec ou là, pourquoi vous aucun traitement qui a trouvé qui est assez efficace contre la maladie? Pas même un vaccin. Mais, il y a plusieurs groupes scientifiques dans tout le monde qui travaillent sans dormir dans l'objectif de capable jouer un vaccin contre la maladie qui est le coronavirus. Il y a quelques recherches qui sont déjà dans le stade avancé et jusqu'à présent, il y a un bon feedback. Selon le journal numérique Times of Israel, par exemple, il y a environ 100 équipes chercheurs dans le monde qui étudient et tentent de créer un vaccin contre le coronavirus. Et il y a environ 19 équipes qui sont déjà dans la phase test sur des êtres humains et puis il y a l'autre qui est arrivé dans le même stade pas trop longtemps. Même si il y a un pile avancé qui a fait, depuis la pandémie a commencé, plusieurs scientifiques ont déjà averti que le processus pour avoir une découverte de un traitement définitif de contre maladie dans le laboratoire qui prend jusqu'à 18 mois. Ou du moins, il doit attendre un petit peu jusqu'à ce qu'il soit sûr que remettre la capable de traiter tout le monde dans le monde. Mais de toute façon, ça c'est une bonne nouvelle. Pour qui ça? Parce que ça montre au moins nous sommes à moitié route là. En plus, le vaccin a commencé à fonctionner déjà. Au moins, ça c'est un grand pas pour nous pour être capable de vaincre la pandémie. Ça. Je quitte le 5 mai 2020, par exemple, Pfizer qui est une compagnie pharmaceutique nord-américaine, qui a annoncé qu'il a démarré un ensemble de tests d'un vaccin sur être humain. Et test ça va fait en 4 types de doses. Et on va le tester sur les gens qui n'est pas malade, qui ont l'âge entre 18 années et 55 années dans les États-Unis. Toute première procédure dans toute histoire maladie, puisque le vaccin ça a été déjà testé sur bêtes déjà, sur des animaux. Mais qu'il y a là, on parle tester sur être humain. Mais à cause de toute pression maladie à bail, chercheurs scientifiques sont obligés d'accélérer le processus là. Une façon pour être capable de finir avec le vaccin, ça pour capable de jouer une solution aussi vite que possible. Objectif principal, c'est que c'est pour être capable de venir avec une dose qui est sûre pour les gens qui sont plus vulnérables. Deuxièmement, les spécialistes sont capables de venir avec un vaccin à partir du mois de septembre. Qui fait que j'aimerais te dire ça déjà, capable de prendre jusqu'à 18 mois. Mais là, on considère avec vitesse maladie, il est obligé à faire tout ce qui est possible pour être capable de sortir avec un vaccin le plus rapide que possible. Et en plus, il y a au moins un autre vaccin qui est dans la même étape de développement, qui est déjà dans plusieurs pays dans le monde. Tant que par exemple, il y a une autre entreprise nord-américaine qui est Moderna Inc., qui est en course pour être capable de jouer un vaccin efficace contre le coronavirus. Il a été annoncé récemment que 8 personnes qui participent dans un test d'un anticorps pour COVID-19 là,
arrivé à développer avec succès test anticorps. C'est pendant test ça, c'est dans phase initiale qui est. Donc yo doit faire plus tests et puis tout tester yo sur l'autre patient qui gagne l'âge différent. Une autre entité qui fait un pile avancé encore, c'est l'Université Oxford qui trouvait dans le pays Angleterre. Côté dans l'université ça, il y a travail sur un vaccin qui est capable de neutraliser l'effet COVID-19 là. Ils ont commencé à faire test vaccin ça depuis le 23 avril qui passé. Ils ont déjà testé sur plusieurs coupes qui dans ville, sous Southampton, Londres, etc. Tout le monde ça a été gagné entre 18 et 55 années. Pendant la première test, environ 1100 volontaires fait vacciner par vaccin ça. Même équipe Oxford ça, t'a annoncé jusqu'à septembre, y'a une intention de produire jusqu'à 30 millions de doses de vaccins contre le coronavirus. Là. Et y'a été très optimiste avec le résultat positif de test ça. Y'a quoi test ça capable de sortir plus bonnet avant date y'a prévoir. Ça nous doit connaître que tout ça c'est spéculation parce que poco gagne rien de concret. Nous pratiquement arrivé dans la fin de la vidéo. N'a dit merci parce que t'es resté regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'a dit encore une fois, pas oublier, s'il vous plaît, si vous pouvez faire ça, abonnez à la chaîne parce que là, sur la chaîne, ça vous donne tout ça ou pas de connaît. Et en plus de ça, si vous jouez un peu l'information à partir des vidéos, ça pas oublier, quittez un like pour nous. Et déjà, on a dit merci et à la prochaine dans une autre vidéo.